Amis Gémeaux, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Cathy La Voix des Fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour une toute nouvelle guidance. C'est la guidance mensuelle de ce mois de novembre 2024. J'espère que vous allez bien amis Gémeaux. Donc on va aller voir divers domaines comme d'habitude. Le professionnel, le matériel financier, le sentimental. On va débuter avec un petit message de notre archange Michael. Les amis, on va aller voir le message qui va vous accompagner tout le long de ce mois de novembre d'un point de vue général. Merci les amis de faire preuve de bon discernement, de prendre les messages uniquement s'ils résonnent avec votre situation et de laisser le reste de côté. Et puis je vous conseille aussi d'aller voir vos autres signes, l'ascendant, surtout passé l'âge de 40 ans, ainsi que le signe lunaire et Vénus pour des compléments d'information. Allez mes petits Gémeaux, qu'est-ce qui vient vers vous? Quel est le message de notre archange Michael? Petit message qui va vous accompagner sur ce mois de novembre 2024. Allez Michael, un petit message pour nos petits Gémeaux, s'il vous plaît. Que souhaites-tu leur dire? Merci. On vous dit que vous êtes sur la bonne voie, amis Gémeaux, d'un point de vue général. Vous êtes sur la bonne voie peut-être par rapport aux professionnels, par rapport à une problématique financière, matérielle, ou pourquoi pas sur une situation sentimentale. Allez, je vais vous lire le petit message. Alors, page 98. Vous avez tiré cette carte pour valider le fait que vos pensées et actions vont dans le bon sens pour atteindre le but de votre vie et trouver la paix intérieure. Vous écoutez attentivement votre intuition et les anges vous remercient de suivre leurs conseils avec tant de foi. Bien que vous ne puissiez voir clairement ce qui vous attend, ils veulent vous faire savoir que vous êtes guidé et protégé à chaque étape du chemin. Alors, on vous dit aussi, continuez cet excellent travail. Hein. Ne lâchez rien, mes petits Gémeaux. Hein. C'est le bon moment pour démarrer un nouveau projet, pour lancer une entreprise, choisir une lecture ou effectuer un changement positif de style de vie. On vous dit aussi, suivez votre intuition, même si les autres ne comprennent pas. Sachez que vos finances sont protégées tout au long de votre projet. Oh, magnifique! Allez, on va aller voir avec les petites fées de Mademoiselle Lenormand tout ce qui se passe au niveau matériel financier dans une situation, une problématique que vous pouvez rencontrer, mes petits Gémeaux. Hein. Allez, matériel financier sur ce mois de novembre 2024. Quels sont les messages que l'on souhaite vous transmettre? Bon, alors déjà, il va être question de discussion, là. On est dans les échanges, de la communication, des pourparlers. Ça peut être par rapport à une situation difficile, un fardeau. Hein, mais il va être question, justement, de prendre la parole par rapport à ça. Allez, pour nos petits Gémeaux, signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus. Alors, on a la carte de l'arbre et on a la carte de la tour. Alors, on peut me dire que concernant l'administration, hein, quelle qu'elle soit, hein, on peut être sur des problèmes avec la banque, problèmes peut-être d'un organisme de crédit, on peut être sur la justice, bref, tout ce qui concerne l'administratif, on vous dit que il va y avoir une amélioration. Là, il y a quelque chose qui est en train de prendre de la hauteur, d'accord?
On peut me parler aussi de quelque chose pour du long terme. Ouais, on voit qu'il va y avoir, on peut me parler d'un rendez-vous financier, d'un entretien où il va être question de discussion hein, concernant les finances. Parce que oui, on peut me parler effectivement de blocages, d'obstacles à dépasser hein, et que concernant justement ces obstacles et ces blocages, ça peut être des papiers qui sont bloqués, hein, ça peut être un dossier qui est bloqué, qui n'avance pas, ça peut être aussi une demande, ok. Pour moi, c'est un dossier, une demande qui est liée avec les finances, ok. Eh bien, il va être question d'en discuter lors d'une réunion, lors d'un entretien, lors d'un rendez-vous. Alors, ça peut être aussi une administration par rapport à la sécurité sociale pour certains, certaines d'entre vous, hein. Sécurité sociale, CPAM, mutuelle, voyez. Bon, on a quand même des nouvelles assez rapides avec le chevalier là. C'est en train de bouger. Ouais, vous pourriez bien recevoir des nouvelles là assez rapidement hein, sur ce mois de novembre. Ouh là là, décidément. Allez, on y va. Je vais effectuer mes petits Gémeaux un tirage à 9 cartes pour avoir un maximum de renseignements. Allez, pour vous, mes petits Gémeaux, qu'est-ce que l'on souhaite vous dire? Hop! Merci les amis pour vos likes, pour vos partages, pour vos retours de commentaires, pour vos abonnements. Hein, si vous êtes nouveau, nouvelle sur la chaîne, je vous souhaite la bienvenue et puis une gratitude infinie hein, pour votre confiance les amis, pour votre fidélité. Hein. Allez, bon, bah, sans surprise, on a la carte du livre. Hein. Alors, on a l'hélice, le cœur, on a la faux, on a le chien, le vaisseau, la femme, l'homme, la maison. Et on a les poissons. Alors, on peut me dire, alors, soit c'est il est question de l'étranger, d'accord? Peut-être qu'on est sur une problématique à l'étranger, hein, que ce soit financier, matériel. En tout cas, on nous parle aussi de mouvement, de changement avec la carte du vaisseau. Hein. Ok? Alors, est-ce qu'il est question d'un changement par rapport à une attente? Ça peut être aussi par rapport à la justice. OK. La tour peut représenter tout à fait la justice. En tout cas, on parle d'un changement, d'un nouveau départ officiel. D'accord? Il va être question de vous libérer avec la carte de la faux. On coupe avec quelque chose, d'où le changement. On me dit que vous allez pouvoir compter sur l'aide d'une personne. Ok, vous allez avoir une aide, ça peut être une aide divine, hein. Ça peut être les appuis d'une personne de confiance, sincère, une personne loyale, mais on peut être aussi sur une aide du divin. Ok, on me dit que grâce à ces appuis, grâce à cette aide,
Eh bien, on peut me parler effectivement d'un changement, d'un nouveau départ pour une consultante, pour une femme. On me dit que vous allez pouvoir compter sur un soutien par rapport à un homme. Mais ça peut nous parler aussi pour moi, c'est un soutien de la part d'une personne de cœur, donc peut-être quelqu'un de votre famille qui va vous soutenir. Sinon, on peut me parler d'un soutien par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. On est peut-être sur une maison familiale, hein? OK? Peut me parler effectivement d'un changement, d'un nouveau départ. On peut être sur un bien qui vous tient à cœur, une maison qui vous tient à cœur, peut-être la maison de votre enfance ou peut-être la maison où vos parents ont vécu, voyez. Mais la carte de la maison aussi, hein, ça peut être votre foyer, ok, ça peut être votre foyer, ça peut être votre stabilité financière. On peut être là-dessus. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, on me dit que concernant un homme, il y a un changement. Les choses sont en train de bouger qui vont vous permettre de pouvoir vous libérer. J'ai une libération pour une consultante ou on peut être aussi sur une libération grâce à une femme. On me dit que là, vous allez pouvoir retrouver l'abondance. Il y a de l'abondance qui arrive pour vous, hein. Vous étiez peut-être justement dans cette attente, hein. Moi, pour moi, on me parle de, j'ai plus envie de dire, de libération financière par rapport à la justice. Peut-être qu'il y a eu quelque chose de bouleversant au niveau des finances à cause d'un homme. Mais vous allez pouvoir compter sur le soutien de l'univers ou le soutien d'une personne. Eh oui, on peut me parler d'un dossier, de papier administratif, d'une demande. Peut-être une demande. Des papiers qui, peut-être que vous étiez dans une stagnation par rapport à ça. On peut être aussi sur quelque chose d'instable à cause peut-être de réparations que vous devez faire. Les réparations dans une maison ou des réparations sur une voiture, peut-être. Bon, en tout cas, on me dit que concernant une somme d'argent importante, alors ça peut être une somme d'argent importante que vous attendez, une somme d'argent importante que vous devez, qu'on vous a réclamé, ou par rapport à un achat important, hein, on me dit qu'il va y avoir une signature, il va y avoir un accord, ça va être accordé. Il y a quelque chose qui va être accordé après avoir été justement dans les discordes par rapport à ça. Bon, vous me direz, hein, mes petits Gémeaux, vous êtes sur la bonne voie. Vous êtes sur la bonne voie. On me dit que par rapport, effectivement, hein, par rapport soit une personne qui vous tient à cœur, hein, donc une personne pour qui vous avez des sentiments, ça peut être quelqu'un de votre famille, eh bien, il y a un nouveau départ, il y a un changement par rapport à une maison. On parle d'une libération pour une femme par rapport aux finances. Allez, justement, on se libère de quoi, s'il vous plaît? Eh bien oui, parce qu'il y a une solution, les amis. Il y a une solution qui arrive à vous, hein. Ça peut être une solution par rapport à
à des travaux sur un véhicule. Magnifique. Là, vous avez une aide d'une personne, peut-être de votre famille, hein. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la maison et les poissons? On a le renard, ouais. On parle par rapport à des travaux, les amis, hein. On parle par rapport à un travail qui doit être fait. Ça peut être au niveau d'un travail au sein d'une maison, hein, des réparations, je ne sais pas. Mais ça peut être aussi des réparations par rapport à un véhicule, hein. Mais il y a une solution. Ouais, on parle bien, hein, on me dit bien que vous êtes dans l'incertitude, dans la confusion, hein. Du coup, beaucoup d'angoisse par rapport à ça, hein. Mais il va y avoir une décision par rapport à des discussions, de la communication, hein, qui va vous permettre un retour au positif grâce à une belle nouvelle. Bon, vous me direz les amis, hein, comment ça résonne pour vous, hein. Allez, on va aller voir le domaine professionnel, les activités, mes petits Gémeaux, hein. Professionnel, les activités sur ce mois de novembre 2024. Pour nos petits Gémeaux qui nous écoutent, quels vont être les messages? Allez, qu'est-ce qui vient vers vous? On a la sexualité. La sexualité peut nous parler de vos désirs. Est-ce qu'il est question de retrouver les plaisirs? On a l'amour et on a l'évolution. Bon, on parle d'évolution, hein. Je pense que vous avez culpabilisé par rapport à une personne qui vous tient à cœur. Ok, on parle bien du professionnel, les amis, hein, ou par rapport peut-être, ouais, que vous avez culpabilisé à une personne pour qui vous avez des sentiments. Ça peut être la famille, ça peut être la personne avec qui vous vivez. On peut être sur une culpabilité par rapport aux enfants. Et en tout cas, il y a une belle évolution. Qui va vous ramener de l'amour dans votre vie, hein. D'accord? Il y a une belle évolution pour un couple, hein, j'entends, hein. En tout cas, c'est une évolution qui vous tient à cœur, hein. Allez. Pour nos petits Gémeaux. 9 cartes. Professionnel, les activités. Qu'est-ce qui vient vers vous sur ce mois de novembre 2024? Bon, on a le contrat en dos de deck. Alors, attendez que je ne mélange pas tout, hein, parce que... Voilà. L'examen, l'homme, l'amitié, les compromis, la joie, les rêves, la distance, l'accusation. Et la loi. Bon. On me dit que par rapport à une distance, vous avez été dans l'accusation, hein, d'accord? Vous avez été dans l'accusation, hein, et que, il est question aujourd'hui de rééquilibrer les choses, d'accord? Il est question d'officialiser quelque chose.
On peut me dire que là, il va être question de pouvoir compter sur des appuis, sur une aide. Alors, ça peut être des appuis, une aide pour un consultant ou une aide de la part d'un homme, d'accord? Et alors, ça peut être par rapport à des examens, mais en tout cas, la carte de l'examen nous parle de réussite. OK? On réussit quelque chose là. Ça peut être aussi hein, par rapport à une formation à distance. Est-ce que vous vous formez à distance depuis chez vous, par exemple, hein, peut-être une formation en digital, je ne sais pas. On peut être là-dessus. Hein. En tout cas, les amis, on me dit que par rapport à des compromis, hein, eh bien, vous allez célébrer la joie que ça va vous procurer, hein, parce que vous allez pouvoir vous projeter dans ce que vous rêvez. Effectivement, hein, on parle bien des appuis, une aide par rapport à des compromis, par rapport à des négociations concernant une distance. On me parle effectivement d'un homme qui va être question pour un homme de retrouver de la joie, d'être dans la célébration par rapport à une accusation. D'accord? Peut-être qu'on vous a accusé à tort, là. On peut me parler aussi de négatif dans votre parcours professionnel à cause d'autres personnes qui vous ont mis des bâtons dans les roues, qui ont peut-être été jaloux, vous voyez? On peut être là-dessus, hein. En tout cas, on me parle bien d'une réussite, puisque là, clairement, on a la joie. Hein. Il y a quelque chose qui vous met en joie, là, parce que vous réussissez. Vous réussissez, on voit que vous aviez des rêves, hein. Vous aviez des souhaits, vous aviez des espoirs. Hein. Eh bien, on me parle de rêves que vous allez pouvoir officialiser, j'entends, hein. Tout simplement. Ben oui, parce que vous voyez, on a un accord, on a une signature qui va vous permettre de retrouver les plaisirs avec votre famille. Et c'est pour ça qu'on vous parle d'évolution. Magnifique. Alors, de quoi on vous a accusé là? De quoi on vous a accusé? Ah, parce que on parle d'un retard. On parle d'un retard. Un retard par rapport à votre famille. Alors, soit c'est vous qui avez été dans l'accusation. Parce que les compromis que vous avez faits, eh bien, vous avez du mal à avoir cet accord. Hein. Ça a peut-être pris du retard. Et c'est peut-être vous qui est dans l'accusation. Hein. Alors, mais on parle d'un retard, mais moi, j'ai quand même le retour à l'équilibre avec l'officialisation, là. Allez, qu'est-ce que j'ai avec l'examen? On parle de quelque chose de nouveau. On parle d'un renouveau. Ça peut être aussi une réussite par rapport à la naissance d'un enfant. Voyez comment ça résonne pour vous. Qu'est-ce qu'on a avec la loi? Avec la loi, qu'est-ce qu'on a? Le boomerang, il est question d'un retour là. Il va être question d'un retour officiel après séparation. Ouais. On me dit que par rapport à vos enfants, vous avez fait le choix de revenir à la maison ou de travailler à la maison. Par rapport à une opportunité, là on parle bien d'une opportunité, d'une concrétisation grâce à une signature, grâce à un accord qui va être signé. Et ça va être officiel, hein. Même si ça a pris du retard. Il y a vraiment une belle évolution. On vous dit, vous êtes sur la bonne voie. Parce que il va y avoir un retour à l'équilibre, hein. Vous allez récolter là le fruit de votre dur labeur, hein.
Bon, bah écoutez les amis, dites-moi en commentaire, hein. J'ai hâte d'avoir vos petits retours. Allez, on va aller voir le domaine sentimental, relationnel, mes petits gémeaux. Qu'est-ce qui vient vers vous sur ce mois de novembre 2024? Allez. Qu'est-ce qui vient vers vous, les amis? Les petits gémeaux, signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus. Sentimental, relationnel sur ce mois de novembre 2024. Qu'est-ce qui vient vers vous? Qu'est-ce qui vient vers vous? Oh, j'ai la séparation. Séparation, une jeune femme qui ne va pas au fond des choses. Qui ne veut peut-être pas s'engager. D'où la séparation, peut-être. Allez. Alors, j'ai le retour d'un ex, d'une ex. Bon. On me dit que concernant le retour d'un ex, d'une ex, j'ai la transformation, le renouveau. Est-ce que là, il y a un ex, une ex qui revient en vous disant que qu'il veut ou qu'elle veut repartir sur un renouveau? C'est possible. On parle de transformation. Est-ce qu'il est question... ouais. Est-ce qu'il est question d'un renouveau par rapport au retour d'un ex, d'une ex-partenaire? Mmh. On me dit que vous étiez dans une attente, hein, par rapport à un homme rival. Hein. Moi, j'ai quelqu'un d'autre là. Moi, j'ai quelqu'un d'autre. Hein. J'ai un homme rival là. Un homme rival. Alors, peut-être que j'ai Peut-être que j'ai un ex partenaire qui souhaite revenir parce qu'il y a un homme rival amoureux. Et vous, vous êtes dans une attente. Hein. On vous dit restez patient, patiente par rapport à cet homme rival amoureux. Hein. Ouais, on me dit que on parle quand même d'union, hein, d'union chaleureuse, de couple, de retrouver de la chaleur par rapport à une union, par rapport à un couple. Et c'est ce qui va vous apporter du renouveau, les amis. Hein. Mais j'ai l'impression aussi qu'il est question du retour d'un ex, d'une ex. Allez, c'est parti. 9 cartes pour vous, mes petits gémeaux. Moi, j'ai l'impression que là, vous attendez un renouveau. Hein. Vous attendez un renouveau, vous voulez du renouveau, vous attendez une belle transformation, une belle métamorphose, pardon, et grâce au retour d'un ex, d'une ex. Et ça peut être aussi un ex hein, qui souhaite revenir parce que, voilà, en vous disant qu'il a changé, qu'il s'est métamorphosé, oui. Ok. Alors, déjà, on peut me dire que effectivement, hein, il y a eu un homme. Qui n'a pas été sérieux avec vous, hein, qui n'a pas été sérieux, hein, et à cause de cet homme, vous avez eu le cœur blessé, d'accord? Il est peut-être question, justement, on peut me parler d'un break,
d'un temps d'arrêt temporaire. On peut me parler d'un homme pas sérieux qui souhaite peut-être une seconde chance. Mais on me dit que concernant peut-être cette seconde chance, cette opportunité, eh bien, vous avez déjà été trahi. Hein. J'ai le traumatisme de trahison. Hein. Donc, il va être question aussi pour vous, hein, justement, par rapport à ce traumatisme de trahison, il est question pour vous de retrouver un équilibre, de retrouver la calme, le calme et la paix. D'accord? On me dit que cette personne-là, cet homme qui n'a pas été sérieux, eh bien, ça a été éphémère, ça a été que passager, ça a été qu'un flirt. D'accord? Et vous, là, on parle d'un retour à l'équilibre. On me dit que vous êtes en guérison par rapport à ça, parce que la situation a été éphémère. On me dit que le fait d'être en voie de guérison, hein, de retrouver un équilibre, eh bien, on me dit que ça va faire bouger les choses. Ça va faire bouger les choses. Parce que moi, j'ai des ouvertures là. Alors oui, vous avez eu le cœur blessé. Hein. Vous avez eu le cœur blessé. Hein. On parle d'un temps d'arrêt, hein, d'un temps de pause. On parle d'un break. Mais les questions de faire bouger les choses. Moi, j'ai quand même la trahison, les amis. Hein. Moi, j'ai l'impression que vous êtes en pleine transformation, vous. Hein. Peut-être effectivement que vous avez fait un break hein, avec un homme qui n'a pas été sérieux avec vous, mais aujourd'hui, on me dit que vous avez l'opportunité concernant une trahison de retrouver un équilibre. On me dit que concernant cet amour qui a été éphémère, on voit que vous avez été dans les blessures, blessures de cœur, hein, vous avez eu le cœur blessé. Hein. Eh bien, on me dit que concernant votre stabilité, hein, les choses sont en train de bouger pour vous. Hein. Les choses sont en train de bouger pour vous. Hein. On peut me parler d'un retour à l'équilibre hein, grâce à une opportunité. En tout cas, on me dit que ce jeune homme, enfin ce jeune homme, cet homme, n'était pas sérieux. Hein. Ben oui, parce qu'il vous a trahi. Et ouais. Alors, il va être question hein, de retrouver de la chaleur par rapport à une union, par rapport à un couple, par rapport à des remords et des regrets. Moi, j'ai quelqu'un là qui est très égocentrique, hein, qui va venir vers vous, hein, qui va vous dire qu'il ou qu'elle a des remords et des regrets hein, par rapport à votre union. Hein, il va être question de retrouver de la chaleur. Mais vous, de toute façon, hein, vous allez être dans les doutes et l'incertitude. Hein. Ben oui, parce que il vous a déjà trahi. Hein. Ouais, vous allez être dans les doutes concernant sa loyauté, sa fidélité, son intégrité, sa sincérité. Bon, moi je vois que y a une page qui va être tournée. Pour moi, vous allez tourner la page concernant, ouais, j'ai la séparation. On parle de séparation, il va être question de tourner la page. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le break? Eh ben oui, hein. Ben oui, hein. On parle de break à cause d'une tromperie, hein. Ben oui. Ce jeune homme-là, cet homme, il n'est pas sérieux, hein. Il vous a trompé, hein, et vous avez été trahi. D'accord?
Vous avez subi le traumatisme de trahison. Aujourd'hui, vous, il est question de retrouver un équilibre. Hein. Mais moi, je me demande justement si cet homme-là ne veut pas revenir là. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la chance? Ouais, moi je pense que concernant une seconde chance, vous allez rester gelé. Vous allez re rester gelé. Je pense que. Allez, qu'est-ce qu'on a avec. Oups là. Ouais. Ok, super. Bah oui, hein. Vous allez reprendre le contrôle de votre vie. Hein. Vous allez reprendre le contrôle de votre vie. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la clé? Ouais, vous allez reprendre votre vie par rapport à une relation qui a été karmique. Ouais. Bon, bah écoutez, dites-moi mes petits gémeaux en commentaire hein, si cela résonne pour vous. Mais là, vous reprenez le contrôle de votre vie, vous. Hein. Pour moi, concernant une seconde chance avec cet ex qui revient, là, vous êtes en pleine transformation. Hein, d'accord? Vous, ce que vous voulez, c'est du renouveau. Hein. Et par rapport à cet ex qui va revenir là sur ce mois de novembre, vous allez, pour moi, ça va rester gelé. Parce que vous avez eu trop de blessures, il y a eu trop de trahison. Donc, voilà en tout cas ce que moi je peux voir, mes petits gémeaux. Allez, murmure de nos anges, deux petits messages. Deux petits messages pour nos gémeaux, s'il vous plaît, sur ce mois de novembre 2024. Ouh, bah dites donc. Premier message, on te dit ce qui part au loin revient vers toi. Mais je vous dis, hein, moi je suis sûre qu'il y a un ex qui va vouloir revenir là, j'en suis sûre. Et on vous dit ne pense pas trop, sens la joie à l'intérieur de toi et ressens ce qui est juste. Bien, magnifique mes petits gémeaux, j'espère que vous avez passé un bon moment. En tout cas, merci d'avoir été présente sur la chaîne. On se retrouve très bientôt pour les guidances hebdomadaires hein, sur ce mois de novembre. En attendant, je vous souhaite de passer un très beau mois de novembre, mes petits gémeaux. Hein. Je vous embrasse très très fort, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye bye!